je ne suis d'aucun parti politique. Mais la seule solution pour la Guinée en ce moment précis, à l'évolution des choses, c'est Sylvie Dalin. UFDG. UFDG. C'est la seule alternative qui s'offre aux Guinéens. C'est soit tu ne voles pas pour Sylvie Dalin, et là, tu es pour Alpha Condé. Tu veux la continuité encore. Donc, nous avons tous vu Mrumalato, Alpha, Amara Nyonga. Mais dès que Sylvie Dalin est parti, Sylvie Dalin est en train de faire sortir les gens. Les gens sont en train de venir soutenir UFDG. Tout ce qui sort là, hein, ils ne sont pas tous des UFDG. Hein. Mais ils apprécient tous la candidature de Sylvie Dalin. Ils prennent tous Sylvie Dalin pour le Messie. Donc, toi qui es assis là, qui ne s'est pas encore décidé, qu'est-ce que tu attends? Viens circonstanciellement dans UFDG. Le lendemain de la proclamation des résultats, ensuite tu te retires. C'est tout. C'est tout ce que nous vous demandons. Pour voter, c'est très simple. Quelle que soit ta colère contre Alpha Condé, il m'a dit Alpha Condé ma kyoki, il m'a dit Alpha Condé ma snyanyama. Si dans moni que Alpha Condé, voilà, c'est UDPG. Le mouvement là aussi, c'est Atibou qui est le président du parti. Donc, nous soutenons toute cette candidature de Sylvie Dalin. Vous avez vu, même des partis politiques qui se battent pour soutenir la candidature de Sylvie Dalin. Parce que c'est la seule alternative qui s'offre aux Guinéens. Donc, je disais, pour voter, il ne faut pas faire du micmac. Il ne faut pas déchirer sa photo. Il ne faut pas lui barrer. Parce qu'il y en a même qui sont fâchés contre lui. Même sa photo, ils pourront s'en prendre à ça. Ne faites rien à votre bulletin de vote. Juste cochez la page vide qui est près de Sylvie Dalin. Vous cochez ça. Vous pliez, vous mettez dans l'enveloppe. Vous êtes seul dans votre isoloir. Vous partez, vous votez. Même si tu es du RPG, mais à Kolonyat, Alpha Marfin, Ramon Rira. Alpha Mounoma, Nyade Yati, Alain Yerma, Nyengeng. Il te Nyat Marakola Alpha, c'est ce mouna rasono. Amun Finuma, c'est cela. C'est ce marama mon Finuma, c'est cela. Quand tu vas dans ton isoloir, il faut battre campagne pour lui. Il faut battre campagne pour lui. Quand tu vas dans ton isoloir, tu coches pour Sylvie Dalin. Il faut soutenir le progrès. Il faut soutenir ce changement. Tu coches ça, tu viens, tu mets, et puis tu votes. Personne ne va te demander. Tu es là-bas avec ton Dieu. Donc sauvons la Guinée. Sauvons la Guinée. Alpha Condé m'a fini vraiment rire. Adoumé Magaouma. Anayerma, Aloun, Alo Doko. Alpha Nayerma, Alo Doko. Donc, tout le monde soutenons cette candidature de Sylvie Dalin. Vous avez tous vu, au début, il ne voulait même pas sortir de ses Routouria. Il voulait s'asseoir sur son banc, parce que ça, c'est pas fauteuil, sur son banc, pour faire campagne. Une vidéo là-bas, parce qu'il est vieux, il ne peut pas faire ses mouvoirs. Vous comprenez? Mais il a vu que Sylvie Dalin est parti jusque dans le village. Il a vu que Sylvie Dalin, les gens sont en train d'adhérer à la cause de Sylvie Dalin. Sylvie Dalin est parti dans le fin fond de la Guinée. Alpha Narban Fatou est évacué. Car Sori fait ça, quand il vient, on va l'évacuer. Jean-Marc Teliano, il fait ça, il vient, on va l'évacuer. Hélico Nanana, comme l'hélico de la Guinée est en panne, ils ont loué un autre hélico avec l'argent de la Guinée. Et puis quand ils partent pour mobiliser, ils donnent l'argent aux gens. Dans Conakry même, Alpha Condé est incapable de mobiliser. À Conakry même. Hier, on a vu des vidéos où on a donné l'argent aux gens de se rendre dans la commune de Matodou. Les gens de la commune de Ratouma. Les gens de la commune de Dixine, de venir dans Girena Birai. Donc, Alpha Condé est sorti aujourd'hui, mais c'est lamentable. Dans Kolontofa, Mourima. Aujourd'hui aussi, il ne va pas dormir. Parce que ce qu'il a vu et à quoi il s'attendait, non, ce n'est pas la même chose. Et je vous ferai remarquer une autre chose. Tous les communicants qui étaient partis à l'intérieur, Cobrina, Soréa, Maragnon, personne ne veut s'investir financièrement. Ils font tous comme ça là. Si on ne leur donne pas, tu entends,
tel ministre ne m'a pas donné. Il me donne l'argent qu'aux autres, il ne me donne pas l'argent pour aller faire campagne. Regardez, moi, on ne me donne rien. Je sais que les autres aussi, on ne leur donne rien. Qu'est-ce que UFDZ des IMMP me donne? Bien. On ne me donne rien, mais je sais que c'est la bonne cause. Donc, je trouverai le temps nécessaire de le faire. Ça, c'est juste un petit soutien pour Alpha Condé. Je jaune dis ça parce que je suis un homme. Je suis un homme. Tout ce qui sont derrière lui s'attend à ça. Il ne leur donne pas, ils quittent. Tout ce qui sont derrière lui, de A à Z, ils sont tous comme ça. Personne n'est dans RPG parce qu'il croit à Alpha Condé. Ils croient tous à la puissance de l'argent. Regardez Cortez qui accompagnait Alpha Condé aujourd'hui. Cortez qui l'accompagnait aujourd'hui. Vous avez vu ça? Quand tu enlèves les militaires et leurs véhicules dans ça, Yirlouma, là. Les militaires et leurs véhicules, les policiers et leurs véhicules, les gendarmes et leurs véhicules, quand tu enlèves dans ça, là, je jure, il n'allait même pas avoir 200 personnes qui l'accompagnent au stade. Même maintenant, là, il n'accepte plus de prendre les véhicules, là, quoi. Parce que Mire est tout mané vis-à-vis. S'il prend ça, il sera très proche des gens. Mais il faut le mettre en haut pour ne pas qu'on puisse le voir, le remarquer, savoir qu'il est vieux, qu'il est fatigué, qu'il ne peut rien faire. Donc, c'est à cause de ça qu'on l'a mis sur ses bus, quoi. Et malheureusement, ça n'a pas réussi. Ça n'a même pas créé l'embouteillage. Donc, franchement, Alpha Condé, il y a Guinara. RPG, il y a Guinara. Alpha Condé, ça va être vraiment dommage pour lui. Si vous ne faites pas doucement, si vous n'avez pas pitié du vieux là, franchement c'est dommage pour vous. Mais n'attendez pas que Alpha Condé meure, c'est ce que vous visez quoi. Quand Alpha Condé va mourir, dès que la justice commence à faire son travail, on dit qui a pris ça, vous dites non, nous on ne connaît pas, c'est Alpha Condé. Vous mettez tout sur la tête d'Alpha Condé comme ils l'ont fait à l'ancien Conté. Dès qu'on demande non, c'est Alpha Condé. Dès qu'on dit qui a fait ça, c'est Alpha Condé. Ça ne se fera pas cette fois-ci. On l'enlèvera et puis vous serez jugé. Vous allez répondre de vos actes. C'est de ça que vous avez peur. Mais ne vous pressez pas. Faites tout. Mais je sais que vous avez peur. Omar Gaussra, Omar Akolon, le changement pointe à l'horizon. Ce pouvoir décadent, ce pouvoir moribond, ce pouvoir qui est à l'agonie. Vous avez senti qu'il doit partir bientôt. Donc, il y a des ministres qui ont déjà commencé à évacuer leur famille à l'extérieur. Le peu de personnes qui étaient là-bas. Ils commencent à prendre des dispositions pour quitter la Guinée. Il m'a dit quoi, comment dirais-je, frontière ira. Le jour des élections, résultat, il fait préférer qu'il y ait un mindé. Mais Amoulama, les militaires, nous avons confiance en vous sur ces plans. Anniversaire, c'est nos frontières et balan. Ministre, yom minima. Vous allez tous répondre de vos actes en Guinée. Tous. Quelqu'un d'un Niman Arambi. Des maudits comme ça. Là. Et là, voilà, Miri Dankari. C'est comme ça que ça se passe. Bon, c'est ça. Est-ce que vous avez compris? Donc, nous vous exhortons. Celui-là a déjà fait sa part de contribution.